Salut tout le monde, c'est Youdem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revoit vidéo, mais avant de commencer la vidéo, je vous invite de vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, de cliquer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo vous a plu, likez, ça fait toujours plaisir. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des vidéos. Le lien est en description, même les deux liens sont en description. Donc le premier lien c'est pour regarder les vidéos, donc allez-y, ça fait toujours plaisir. Et le deuxième lien c'est pour le don. Donc on va commencer la vidéo. Donc, là je ne suis pas ni chez moi ni chez ma mère, je suis chez ma soeur. Donc là on va appeler un spécial Christo. Vas-y hein, je viens. Salut. Non, c'est la place là-bas. Donc bon. Hein. Tu fais la cuisine, c'est ça? Moi je fais la cuisine, oui. J'aime bien ça. Vas-y, tu peux leur parler même. Ouais, c'est ma passion. Comme tu vois, j'aime bien la cuisine. Vas-y, ouais. La cuisine, c'est ma passion, tu vois. J'aime bien cuisiner. Et voilà quoi. Aujourd'hui, on va faire des pâtes à la crème. Des pâtes à la crème et on va commencer par la cuisse. On va désosser la cuisse. On va retirer la chair. Et tout. Ok. Donc là, tu es en train de faire découper le poulet, ouais. C'est une cuisse de poulet. Oui, oui. Et en fait, la chair elle est beaucoup plus tendre que du bon poulet. Ok. Ça devient pas sec. Et j'aime bien utiliser la cuisse pour mes plats, etc. D'accord, ok. Comme ça. Voilà. Ok. Complètement. D'accord. Il ne reste plus rien dedans. D'accord, ok. Et. Hop. Là je mets la cuisse. Ok. Donc on retire la peau. On retire le gras. Hop. Là on commence vers là. Et ici. Et tu vas faire quoi? Avec quoi tu vas faire ça? Je vais faire des pâtes à la crème. D'accord, oui. Ouais. Voilà. Ok. Il y a deux à faire. Comme ça tu peux chercher une qui est bien. D'accord.
Ouais. Un petit dé comme ça, tu peux le faire un peu plus grand, comme tu veux, ça joint. Et j'ai mis une petite tomate. Tu peux rajouter une tomate ou comme tu peux. C'est à toi. D'accord. Si t'aimes bien et voilà. En fait, moi j'aime bien, ça donne un peu de goût. Ouais. Et voilà. Et les ingrédients que tu vas aller avec. Du poivre noir, paprika. Ouais. Et de l'ail en semoule, du beurre, etc. etc. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Là j'ai mis du beurre. Ouais. Du beurre. C'est... Là j'ai mis du beurre demi-sel. Ouais. Donc c'est à toi de voir si tu peux, si tu veux, tu peux utiliser de l'huile, tournesol ou beurre doux, etc. Moi personnellement j'aime bien du beurre. Okay. Ça donne un goût spécial. Ouais. D'accord. Hop, on va mettre des oignons. On attend que les oignons deviennent plus colorés. Là on peut mettre des tomates. On va mettre du sel. Pas trop, parce que le bouillon magique est déjà salé. Du poivre noir. Ok, comme ça, un petit peu aussi, pas beaucoup. Hop, voilà. Un peu de paprika. Hop. Si vous aimez du piment, vous pouvez mettre du piment, c'est comme vous voulez. Ça s'appelle le garam masala. Ok, ok. Après, j'ai acheté ça au supermarché, j'essaie, ça donne du goût et enfin, c'est magnifique. Ok. Des épices indiennes. Ok. Est-ce que tu peux trouver au supermarché comme Lidl, etc. C'est comme... D'accord. Ça change de couleur, plus coloré. Ok, ok. On va mettre deux pour commencer, après on va goûter pour faire à mesure. Il faut pas que ça devienne trop salé aussi, ça va être désagréable en bouche. On va mettre cette sauce chinoise. Ok. Ça va donner du goût un petit peu. Ça va ensuite colorer le poulet. On va laisser sur feu doux. Pas très fort. Ouais, feu doux. Voilà, on va mettre un petit peu d'eau. Voilà, on va laisser comme ça. On va laisser les jeter un petit peu, on va dire 10-15 minutes.
D'accord, 10-15 minutes. Même plus, ça dépend de la cuisson, on va voir. Ok. On va goûter. On a une spécialiste avec nous. Il y a des spécialistes qui va goûter. Ok. Si elle valide, c'est bon. Vas-y, ouais. Attends, c'est chaud. Vas-y, si tu valides. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, Damien ? Ouais, c'est bon. Bien. Encore un peu de paprika. Moi, j'aime bien les paprika. Mmh. Dans toutes mes recettes, j'aime bien les paprika. Ça donne du goût. Ok. Je vais mettre la crème liquide. Moi j'aime bien la crème liquide. Ça vient liquide dans. Là j'ai. Je vais mettre la crème. Moi j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de sauce. Dans les pâtes, quand il y a beaucoup de sauce. D'accord, moi, ok. Moi j'adore. Moi, là j'ai mis deux petites briques. Après c'est à vous de voir hein, si vous voulez mettre plus ou moins. C'est à vous de voir. Hein. Moi personnellement j'aime bien quand c'est comme ça. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Là on va laisser encore un petit peu. On va laisser, on va dire 10 minutes. Et on va voir s'il faut rajouter encore un petit peu. Et on va goûter s'il faut mettre du sel ou un peu de. Encore un peu de bouillon de magie. Après si vous voulez j'ai celui-là. Cette sauce, franchement il est magnifique. Vous pouvez utiliser celui-là. Ça. Et mais pas trop. Après si vous voulez vous pouvez rajouter de la crème épaisse, à vous de voir, si vous n'aimez pas trop que ça soit liquide ou quoi que ce soit, vous rajoutez un peu de crème épaisse, voilà. En tout cas moi j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà, c'est fait. Faut pas trop laisser cuire sinon ça va brûler juste en dessous et tout, etc. Ça va être désagréable. Mettre les boulons de poulet. Ouais. Comme on a mis dans le poulet, ça donne du goût. Et... D'accord. On va mettre deux. On va. Ça c'est pour quoi ? C'est pour des pâtes. D'accord. C'est pour des pâtes. Au lieu de mettre du sel, je peux mettre ça. Voilà. Ça donne du goût. Moi j'aime bien.
je vais déguster que le cuistot a fait pour moi. Donc on va voir comment il est. Donc c'est des pâtes à la crème avec du poulet. Donc je vais voir si ça a l'air bon. Oh, on va juste goûter le poulet. Trop bon. Du africain, hein. Il y a un du africain, ça. Paprika. Ouais. On va goûter les pâtes. Vraiment mon bistou. Donc on va j'ai pris un peu de poulet, on va goûter le plat original, le plat un peu de poulet, pâtes, voilà, un peu de crème. Donc ben c'est tout pour cette vidéo. Donc apparemment pour la prochaine fois, qu'est-ce que t'as prévu? Des hamburgers, des cheeseburgers. Donc ok. Façon américaine. Ok. Des vrais hamburgers avec du steak haché, etc. Et voilà, c'est des vrais hamburgers gourmets quoi. D'accord. Hein. Et ok. On verra ça la prochaine fois. Ok. Donc du coup, les cuistots. Hein. Tu fais. Moi, je suis dans la cuisine, ça fait à peu près 4 ans. 4 ans quand même. Mais okay. C'était toujours ma passion. Quoi. D'accord. Toujours ma passion. Ok, donc des bons burgers, donc c'est-à-dire si on met 3 steaks, 4 steaks. Même plus si tu veux. 4, 5 steaks, c'est comme tu veux. Vas-y, hein, donc du coup, ok. Ok, bah pour la prochaine fois, ce sera les hamburgers. Donc tu sais les faire, tu connais bien. Bon, ah oui. Version américaine et tout. Version américaine. Ouais. Ok, vas-y. Donc ben c'est tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, important. Et de cliquer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de mes vidéos. Et de liker, ça fait toujours plaisir. Et aussi d'aller sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des vidéos. Et abonnez-vous. Ouais, aussi. Ah, donc sinon comme j'ai dit, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee, les deux liens sont en description. Pour le premier lien pour regarder les vidéos et le deuxième lien pour faire des dons. Et voilà, sans ça, bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao.